Salut à tous, c'est Sorator pour une vidéo découverte sur Apothéon sur PS4. Alors c'est vraiment une totale découverte, je ne sais absolument pas quel type de jeu c'est. Tout ce que je peux dire pour le moment c'est que c'est offert dans le cadre de l'abonnement PlayStation Plus, donc pour ce mois de février 2015. Alors la musique n'a pas l'air trop forte, ça m'a l'air correct. On va peut-être la baisser, voilà, quand même un petit peu. Tac. Compagne, alors on dirait que c'est pas traduit en français. The gods have abandoned you. Donc les dieux t'ont abandonné. Ce qu'ils ont donné est parti. Ouais. The woods give only wind. The earth gives only dust. Even the midday sky gives only twilight. And with their shepherds gone, the sheep fall prey to wolves. Without the gifts of Olympus, you are lost to the darkness. Donc sans le don, tu es perdu dans les ténèbres. Bon, j'ai pas tout compris, je comprends pas tous les mots. En tout cas, très rapidement, on comprend bien que ça tourne autour de la mythologie romaine. C'est en feu. Alors, on peut pas bouger avec la croix directionnelle. Ah, la croix directionnelle, apparemment, c'est pour changer d'arme. Épée ou main nue, non, je sais pas. Bon, bref, on peut sauter, on peut se balader. Est-ce qu'on peut cramer? Non. Ok. Ah, on peut descendre en appuyant sur le bas et croix. Mais ce genre de jeu, je préfère vraiment jouer avec la croix directionnelle, c'est plus précis que le joystick. Hein. Carré, j'ai ramassé une épée. Comment je fais pour frapper? Ouvrir une porte. D'accord. Ouais, je crois que les combats vont pas me passionner des masses. Couteau. C'est pour lancer un couteau? J'ai gagné 10 points de vie, je ne sais pas pourquoi. Ah, qu'est-ce qu'il me dit lui? Watchmen didn't even see their ships through the darkness. These raiders scum will take everything we have. They're taking prisoners, invading houses. Donc ils prennent les prisonniers, ouais. Envahissent les maisons et brûlent tout ce qu'ils peuvent. Non, burning. Burning, si, c'est brûlé. Bref, je comprends pas tout, c'est génial. Donc la carte. Ok. Il grimpe tout seul. Non, reste en haut, s'il te plaît, merci. Alors pourquoi prendre le couteau quand j'ai une épée? Je ne sais pas. Ouais, les combats sont pas dynamiques du tout. Oula. C'est chelou. Donc les bleus, c'est les copains, hein, en théorie. Non mais c'est bon, il est mort là, non? Il continue à vouloir le décapiter. Donc, il m'a dit de sécuriser un truc, j'ai pas compris quoi. C'est génial. C'est vraiment pour ça que j'aime pas les jeux non traduits en français, c'est que je ne comprends pas tout. Alors là en plus c'est même pas doublé à 100%, enfin même pas traduit écrit justement à 100%. Parce qu'autant l'écrit je comprends assez bien, mais alors l'oral c'est une catastrophe. On va essayer d'entrer là-dedans. Trouver le je sais pas quoi. Blacksmith. Oh, un bouclier. Hey hey. Ouh, et oh, oh, calmez-vous là les gens. Oh, 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 on commence à me canarder là. Ça va pas la tête? Et pourquoi je suis monté ici? Y'a rien. Et je peux pas redescendre directement. Ça c'est pas un coffre ça? Je ne sais pas. Ah, on peut avancer en se protégeant. J'ai tendance à appuyer sur carré pour attaquer. Oh, calmez-vous avec vos frondes là. Tiens, je vous embroche, moi. Ah, on peut s'acharner sur les corps, ok. D'accord. Je pense pas que ce soit très utile. Bon, on va monter un petit peu. Moi, je crois que je vais pas m'éterniser des masses sur ce jeu. La porte est scellée, ok. Monte, monte, monte. On va l'attaquer dans le dos, comme un fourbe. Ou pas. Purée.
Why are you standing there in nothing but your skin? That thick skull of yours as good as a helmet. I think I got some old leathers in the back you can wear. Grab me that coin box, would you? I want to make sure you can cover the costs. Bon, il parle d'armure. Here, try these on. Cover up that greasy hide of yours. Alors, j'en sais rien. Ça. Bracelet, je sais pas. Bah, je prends tout, de toute façon, hop. Voilà, on est avec 29 points d'armure, apparemment. Alors, je sais pas si on les perd, les points d'armure. Oula. Il est tombé complètement. Je voulais aller voir de ce côté, c'est fermé, ça. Doru. Ça s'abîme, les armes? Parce que là, j'ai deux lances. On peut les jeter, je ne sais pas. Plus 100 en armure. Ah oui, mais ça redescend immédiatement. Oula. On va essayer de revenir en arrière pour tabasser du monde vite fait tant qu'on a le bonus d'armure. Ok. Où est-ce qu'on va du coup? Ah, mais d'où... D'accord. Tu m'agresses dès que je passe la porte. Merci beaucoup. On va plutôt aller à l'est. Apparemment, on a 4 objectifs en cours. Putain, mais il peut pas descendre des escaliers normalement. Hein. C'est génial, ça. Bon, ça se bat de tous les côtés. On va tracer. On gambade. Yes, cure. Tiens, j'ai une plus longue portée, moi. Qu'est-ce que tu vas faire, là? Hop. Non, je veux pas aller par là, je veux aller tout à l'est, on a dit. Tiens, salut. Oh purée, non, c'était une blague. D'accord. Ah, on peut les embrocher deux par deux aussi. Mince, ils passent à travers. Et le bouclier est efficace, ouais. Ok. Tiens, hop. C'est dommage, on peut pas les démembrer, ça aurait été rigolo. Mais bon. Non, c'est quoi, c'est un... d'accord, ça doit être un civil, ça. Alors, l'objectif est au-dessus. Comment je fais pour monter? Certainement pas par ici, mais on va voir ce qu'il y a. Ah, rien. Un truc de fermier. Ah, une broche. On va l'essayer. Je suis en train de multiplier les armes. Est-ce que c'est plus efficace que la lance classique? Je ne sais pas. Non, mais un truc en bois, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Pas de dégâts de chute apparemment, ok. Bon, on revient sur nos pas, on va essayer de monter. Par ici, je suppose. Alors après, je sais pas s'il y a des créatures mythologiques. Du genre Minotaure, Minerve et compagnie. Trouver le chasseur. Où es-tu, monsieur le chasseur? Des javelots. Ah, R1, on peut jeter l'arme, d'accord. Et apparemment, avec le joystick droit, on peut viser. Donc là, je vais essayer de viser le truc. D'accord, apprendre à viser. Ok, le mec qui est très doué. Et on peut récupérer. Ok, on va peut-être récupérer les javelots alors. Hop, ça peut servir. J'ai un arc? Ah non, c'est qu'il y a deux types d'armes, d'accord. Il y a les armes au corps à corps et les armes de jet. Ok. Mais je pense qu'au corps à corps, autant rester avec la lance. Hein. Pourquoi se casser la tête avec une petite arme à courte portée? À moins qu'il y ait une différence de dégâts, mais je ne crois pas. Ouh, des rats. D'accord. Ils m'attaquent les rats ou pas par défaut? Non? On dirait que non. Je suis pas rassuré non plus quand même. Mais... Ah, des flèches. Mais est-ce que j'ai l'arc qui va avec? Je viens d'essayer d'embrocher la personne, tout va bien. Hop. J'ai pas lu. Il est parti chasser ce matin. Mais il n'a pas vu de lapin, ouais. Il y a toujours les oiseaux qui chantent. Ouais. Beaucoup de rats. Les gens aiment la viande de rat, je crois pas. Il a entendu des bandits en haut. Ouais. Ah, il garde le vin en sécurité également.
Bah, je crois qu'il en a consommé un petit peu, le monsieur. Ok. Bon, bah, on va laisser monsieur le bourré. On va revenir en arrière. Les jambonneaux, là, on peut pas se servir. Ah, si. Bah, ça me fait de la santé. Ok. Ok, ok. Et L1, ça fait quoi? Attendez. Ah, c'est pour... d'accord. Le deuxième bras. Le temps que je capte, ça rentre petit à petit. Bon, il y avait encore des javelots en haut, mais c'est pas grave. Hein. Allez, on revient en arrière. Alors, maintenant qu'on a fait le chasseur, on va aller voir les autres objectifs. Lui, c'est un bleu, donc c'est un copain. Hein. On va essayer d'aller là-haut, plutôt. Hop. Alors, je sais pas comment il fait pour escalader ces trucs. Il n'y a aucune prise. Ça doit être un champion d'escalade. Hop. Bon, finalement, moi, tout ce que je veux voir, c'est est-ce qu'il y a des créatures. Putain. Attaquez pas les villageois. Et j'ai l'impression que je rame. Le jeu rame. C'est quoi ce délire? Ok. Est-ce que c'est l'effet des flammes qui fait ça? Je sais pas. Enfin, on est quand même sur PS4, quoi. Et un jeu en 2D qui rame. C'est hallucinant. Ça, c'est quoi? C'est une statue? Une statue de Zeus? Et une autre statue coupée en deux, ouais. Les objectifs ne sont absolument pas par ici. Ouh! Qu'est-ce que c'est? Le temple de Dion. On peut pas rentrer. Ok. Bon, on va aller voir les objectifs rapidement. Donc, il y en a un tout en haut à gauche. On va essayer de rester en hauteur. Tant qu'à faire. Ouh! Voilà, je vous snob. Salut. Hop, est-ce qu'ils me suivent complètement ou... En tout cas, il m'en veut, il me regarde. Hey, je peux vous piquer d'ici? Non, ça passe pas. Toi, t'es un ennemi, toi. Qu'est-ce que tu vas me faire ici, là? Est-ce que je peux lui jeter le truc? Ah bah, il monte, d'accord. Non, il monte plus parce qu'il y a l'autre qui le tape. Est-ce que si je jette un truc, ça passe à travers? Mince, je me trompe de touche. Ah oui, ça passe à travers. D'accord. Hop, Doru, on a ramassé. Alors pourquoi ça s'appelle Doru? J'en sais rien du tout. Qu'est-ce que c'est ça? Nectar de vie? Ah, triangle pour se soigner. Ok. Donc direction. L'académie, il faut trouver l'apothicaire. Une torche. Torche, ça remplace le bouclier. Ok. Offhand, c'est pour jeter? Non? Ah non, c'est pour... Ah, la deuxième main, ça s'appelle Offhand? J'en sais rien, moi. Enfin, la main non directrice. On se bat dans le noir, c'est génial, ça. Ouh, des sous. Des sous-sous. Alors après, les effets de lumière sont assez sympathiques. Donc là, j'ai pas trop compris ce qu'il m'a dit. Je vais bien. Mais tu as l'air je ne sais pas quoi. Approche-toi, mon garçon. Montre-moi. D'accord. J'ai pas tout compris. Ça restaure de la vie. Et ça fait quoi? Une bombe. De quoi se soigner, peut-être. On a largement de quoi se battre, déjà. On peut prendre les deux, de toute façon. Ok. Presse option. To go into craft menu. Ok, on peut crafter, apparemment. Donc là, je peux me faire un nectar de vie. Ok, mais j'en ai déjà un. Bon, quoi que, on va se le faire. Allez. Hop. Et ça, j'ai pas ce qu'il faut. Ok, ok. Bon, l'apothicaire, c'est fait. Hop, on va redescendre. Mais Fury, il peut pas prendre des escaliers, quoi. Ou des échelles. Il est obligé de se jeter dans le vide. C'est génial. Ouh, salut! Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème, toi? T'embrocher, moi. Hop, on descend. Oula! Je crois que j'étais revenu au début. Calmez-vous. Mon armure ne se restaure pas? Je restais à 18? Mince. C'est bête, ça. Alors, attendez. Je suis où, là? Oula! Je croyais que je revenais à l'entrée, mais pas du tout. L'entrée est au-dessus, là. Mais qu'est-ce que je fais ici? Dans une espèce de réserve? Y a rien du tout. C'est génial. Hop.
Allez, on se barre. Retour au village. Donc il nous reste un objectif. Non, deux. Sauver les prisonniers et sécuriser le je sais pas quoi. Hop, on va repasser au bouclier. C'est là, là. Pourquoi il peut pas descendre proprement? On est obligé de sauter vers le bas. C'est pas joli comme déplacement. Hein. Toi, t'es un pote. Toi aussi. J'ai récupéré ma vie. Non, c'est mon armure qui est plus à 100%. Ok. On descend. Non, on peut pas descendre plus que ça. Ah, mais c'est loin, là. Ouh. Oula. Oula là. Encore une broche de fermier. Ah! Pourquoi il l'a acheté? Il a plus de place? J'en sais rien. Bon. Hop. C'est quoi cet endroit-là? Blacksmith, on y est déjà allé. Toi là, oula, je te vois. Je te pique. Ça marche pas. Merde, mais ils sont combien là? Ouh, ouh, ouh. Calmez-vous. Hop, voilà, pendant que l'autre fait diversion. Merde, il s'est fait tuer, mon pote? Ah, crotte. Ah, t'es pas morte encore? Ok. Allez, on descend. Mais je suis passé en plus tout à l'heure à côté d'un objectif. Ah, vous me saoulez. Hop. Ah! Je peux pas voyager pendant le combat. Bah ouais, bah. Salut. Granary. Je ne sais pas ce que c'est. Un granary. En tout cas, il faut le sécuriser. Aide-moi. Ils sont en train de prendre les graines, je suppose. Que les dieux... Ouais, les arrêtent. J'ai pas le temps de tout lire. R3. R3 pour Luke, ça fait rien du tout. Ah, c'est juste pour regarder autour. Je croyais que c'était pour écarter la caméra, je ne sais pas. Ah, quoique, attendez, la caméra s'est envolée à un moment. Ah, si, d'accord. C'est quand on regarde dans une direction, on appuie sur R3. Et on peut regarder au loin. Ok. Donc là, on voit qu'il y a un monsieur bizarre qui fait je sais pas quoi. Mais il est à poil, non? J'ai pas vu d'armure. Si, il a des chaussettes. Enfin, chaussettes, c'est sûrement pas le terme. Non, je sais pas ce qu'ils font, là. Ils font leur lacet. Hop, ça en ramasse. Alors, on peut péter tous les objets, apparemment. Enfin, peut-être pas tous, mais une bonne partie. Les caisses aussi, alors? Ah ouais. Sauf qu'il n'y a rien à récupérer, ok. On peut escalader. Oh yo. Ok. Alors attendez, on va aller voir à gauche. Hop là. D'accord, le mec qui escalade pas comme je veux. Faut d'abord appuyer sur en haut. C'est ça, faut appuyer sur en haut. Et après on y va. Et c'est pas comme dans God of War, on peut pas frapper en étant accroché. Hop, et pourquoi j'ai ressorti l'épée là? Ah, j'ai plus mes longues armes. Mince, elles ont dû péter. J'ai pas fait gaffe. Oh, le truc est super maniable. Ouh, et moi j'ai plus rien pour vous embrocher au loin là. Ils descendent? Oui, ils descendent. Un par un, c'est gentil. Oh purée, il se retourne. Mais t'es pas mort le deuxième là? Enfin le premier. On peut pas piquer leurs armes? On dirait que non. C'est très logique aussi, ça. Arrête de taper dans le vent, s'il te plaît. Merci. Nectar de vie. Un truc de fermier. Ça, on va peut-être le garder pour les combats un peu plus compliqués. Hop. Bon, bah écoutez, de ce côté, apparemment, il n'y a plus rien à faire. Oh, j'ai encore loupé mon escalade. On va aller voir de ce côté. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui faisait ses lacets. Aïe, non, qui me tabasse. Oh! Mais d'où il m'expulse comme ça là? C'est n'importe quoi. Hop, on descend dans les flammes. J'ai presque plus d'armure hein, par contre. D'accord, mais ça y est, j'ai sécurisé le truc ou. Ou pas? Mais oui, je suis déjà passé là. Oh! On va sortir, on va dire que c'est bon. On a buté tout le monde. Allez, on ressort de là. Alors, je suppose que l'objectif est validé quand même. Oui, donc il n'y a plus qu'à sauver les prisonniers.
Oh punaise. Mais d'où il repop comme ça là? Et ça rame, hein, je vous jure. Ça se voit peut-être pas trop. Enfin, le jeu reste assez fluide au niveau de l'image, mais c'est au niveau des contrôles quoi, ça va au ralenti. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a là? Je sais pas me battre moi, je fais n'importe quoi. Tiens. C'est bon, j'ai récupéré un petit peu d'armure. Oh là là, mais... Pourquoi ils sont aussi nombreux là? Qu'est-ce que tu fais toi? Tiens, je me protège. Mais viens ici, là, de reculer. Avec ton arme super longue. Alors il y avait un truc carré. Ah, c'était juste une arme, ok. Ça limite des noms de personnages en fait. Allez, salut! Et oui, bien sûr, ça marche pas en mode combat. Allez, on dégage. Donc faut sauver les prisonniers. C'est-à-dire, il y a des cages à ouvrir. Hatchet. Ok, on va essayer de jeter des petites hatchets. Il peut mettre des coups ou il les jette directement? Ah, on peut se battre indirectement, hein, il est pas obligé de les jeter. Hein. Ok. C'est verrouillé ça? Mais lui, apparemment il a la clé, non? Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, viens. Qu'est-ce qu'il y a là? Nye. Merde, je me trompe de touche. Tiens. D'accord. Voilà, un coup de hache. Ouh, la hache est très lente, hein, apparemment. Qu'est-ce qu'il a pour il se baisse comme ça? J'ai l'impression qu'il était fatigué. Ouais, le couteau, c'est pas terrible. Hein. On va se battre plutôt avec la Xyphos. Ouais, c'est un glaive, quoi. Oh, mais vous êtes combien, là? Dégage. Là, je te pique le cul, moi. Bon. Roll, hop, on peut faire des roulades. Ben, fais peut-être me le dire avant, ça. Hop, hop. J'ai dit hop. On roule. J'ai pas de clé. On roule. Ah bah, j'en ai deux. Il y a qu'à demander. Comment on fait pour ouvrir? Hello? J'ai récupéré deux clés, je ne sais pas où elles sont. C'est génial. Où sont les clés? J'en ai bien récupéré deux. C'est magnifique. Ah, c'est peut-être pas les mêmes clés alors. Oula, il a un bouclier. Le maître des esclaves. Yeah, secure. Et merde, mais je me trompe de touche à chaque fois. J'ai jeté une arme, allez. Non, c'est la sienne qu'il a acheté. Merci. Je la récupère. Non. Arrête de te protéger. Sinon le combat il va durer 40 ans. Et ça va saouler les gens. Allez, crève. C'est bon, on a pété son bouclier, on l'a pété lui. Hop. Hop. Voilà, c'est bon. Tous les objectifs sont complétés. Mais on n'a pas accès à la salle du bas et c'est pas les mêmes clés apparemment. Hein. Parce que j'en ai encore une en stock, je crois. Et... Bon, bref. Alors, on va quand même essayer de finir ce niveau. En supposant que le jeu soit structuré par niveau. Alors, toi ici, avec moi. Leur chef est sur le... Je sais pas quoi, on a besoin... Ah, j'ai pas le temps de tout comprendre, là. On s'en fout, on suit la flèche, allez, on trace. On trace. D'accord, sauter, c'était pas une bonne idée. Salut! J'ai dit salut, merci de faire des roulades quand je te le demande. Ah, par contre, ça le ralentit de faire des roulades. Ok. Hop, 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 hop. On fait que passer. Oui, par contre, faut aller en haut. Alors, attendez. Ah, mais faut le suivre, en fait, d'accord. Pendant un moment, je croyais que c'était lui qui me suivait, en fait. Mais pas du tout. Hop. Moi d'abord. Allez. On ignore tout le monde. Hop, hop, hop. Putain, pour... Ah, les chiens à ralentir comme ça, là. Allez, cours. Donc là, on retourne au temple. J'ai pas bien suivi. Au temple, ouais. Viens ici, vilain. Oh, putain. Ils sont un petit peu nombreux, là. Il est où, mon pote? Help. Il y en a un qui me... Aïe, 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 aïe. Faut que je surveille la jauge de vie, voir à quelle vitesse ça diminue.
Parce que moi je l'ai tué en 2-3 coups d'épée, alors si c'est pareil dans l'autre sens... Oula, d'accord, je m'envole, tout va bien. Et j'ai eu des dégâts de chute. Ce qui m'a envoyé en l'air. Saleté, va. On va essayer de se battre un petit peu avec l'arc. Alors attendez. C'est moi qui me bats à l'arc. T'as mis 15 ans à préparer les flèches, quoi. Ok. Du coup, on va peut-être les garder pour autre chose quand même. C'était juste pour essayer. On va ressortir le glaive. Par contre, j'ai pas de fronde, moi, apparemment. Malheureusement. Ah, et apparemment, il y a une zone en haut. Hein. Alors, elle doit pas être accessible pour le moment. Tuer ou éliminer le tyran. On va peut-être se faire quelques bombes. Je pense que ça va servir pour le boss. Et ça s'utilise comment? Comment on change? Ah, c'est là, ok. Pour l'instant, on reste sur les fortifiants. On sortira les bombes en cas de besoin. Ah, mais de toute façon, je crois qu'on en a besoin pour passer, là, non? Ou alors j'ai mal compris. Attendez. Oh yo! Ok. D'accord. On repasse quand même sur l'arme, voilà. Ouh, un taureau. Un bouclier. Ouh! T'es gentil, toi t'es bleu. Ouh, toi t'es pas gentil. T'es rouge. Hop, c'est bien. Si on s'esquive tous les deux, on est encore là après-demain. Hein. Oula, pourquoi il prend feu l'autre? Voilà, on passe derrière. D'accord, le truc il marche pas. Super. Donc j'ai pas compris ce qu'il a fait notre pote. Il est mort. C'est génial. Tu fais des roulades. Attends, il a une torche? Oui. Pourquoi il se balade avec une torche? Ah, purée, mais les combats, quoi, c'est horrible. Alors, attendez. Je sais pas, pourquoi on peut aller là? On va essayer d'aller voir un peu plus. Ah, un nectar de vie. Ah, de la musique un petit peu intéressante, c'est bien. La musique était très en retrait jusqu'à présent. Là, j'aime bien ce genre de musique. Y'a pas de bouffe, là? Non, d'accord. Je suis tellement doué au combat qu'il me faut de la bouffe pour regagner de la vie. Voilà, merci. Sans utiliser de potions si possible. De la vie! Même de l'armure. Je suis à zéro en armure, faut que je la récupère. Pourquoi? J'ai pas besoin d'une torche là. Un griffon. Oula, 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 wow, wow, wow. Aïe. 92 en vie, 84. Faites gaffe. Allez, vous me faites chier, j'escalade. Un truc qui sert à rien, salut. Bouclier. Oui, non, mais ça on avait compris, c'est juste que je m'en sers quasiment jamais. Sinon les combats durent 40 ans. Ah, aïe, 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 qui, quoi, chute. D'accord, donc il monte sur mon bouclier, tout va bien. Oh là là, mais les combats, regardez, il est sur moi, j'arrive pas à le frapper, quoi. Allez, fais pas chier. Mais il y a une jauge d'endurance ou... Ah oui, il y a une jauge d'endurance. Non, la jauge verte. Ah, j'avais pas compris. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il frappe bizarrement. Est-ce qu'il a plus de force, le monsieur? Et qu'est-ce qu'il fait, là, en haut? Je comprends pas ce qu'ils sont censés faire quand ils font ça. Ils pillent? Ils égrattent les pieds? Tiens, moi, je t'attaque dans le dos, là. Pas de problème. Non, me coince pas dans un coin, s'il te plaît. Merci, meurs. Voilà, tant qu'à faire. Ok. Ok, atterris-moi dessus aussi. Oh, il a tué mon copain en un coup! Méchant! Aïe. Et il veut m'empaler aussi. Non, mais. Putain. J'ai plus d'endurance, c'est merde. Arrête de me faire mal. Oh, je saigne. Et mon arme va péter. Oh non, mais vous êtes partout là! Faut se calmer, hein. D'accord. Ah voilà, je l'ai touché dans les pieds, ça l'a tué. Parfait. Par contre, j'ai quasiment plus de glaive, ça m'embête un peu, ça. Oh putain. Nya, le temps que je capte, voilà, je fais encore du caca. Et pourquoi à chaque fois je jette une flèche? Ah non, c'est la sienne. Je récupère ses flèches à lui. Bon, s'il vous plaît, là. Cette scène est complètement ridicule. Arrête de m'esquiver, bon sang. Laisse-toi embrocher. Merci. Oh là là,
C'est un petit peu fastidieux. Alors au niveau des soins, par contre, je sais pas combien on regagne. Je sais pas s'ils l'ont dit. Clé. Ouais, bien sûr. Et je la trouve où cette clé? Bon, on peut aller de l'autre côté apparemment. À moins que ce soit verrouillé également. Je crois qu'on avait laissé passer quelqu'un, non? Je sais plus. On dirait que non, il n'y a plus personne. Ah, un glaive, parfait. C'est bien fait, le maximum. Hop. Bon, je suis tard de parler, on récupère la clé, salut. Attendez, il n'y a rien là? Un peu de vie, ça fera pas de mal. Hop. Tac, bon, nectar de vie, on en a un. Donc ça, on pourra se soigner face au boss. Enfin, je suppose qu'il y a un boss. Hein. Oui, le tyran, c'est forcément un boss. Hop, hop. Mais non, mais j'ai trouvé une clé. Vous foutez pas de ma tronche, là-haut. J'ai trouvé une clé. Pourquoi je peux pas m'en servir? Attendez, j'ai bien ramassé une clé. C'est quoi ce bordel? Et puis j'ai même pas lu ce qu'il m'a dit, le perso, là-haut. Là. J'ai bien ramassé. Mais oui. Qu'est-ce que tu me disais, toi? J'ai pas lu. Parle-moi. Oh là là. Bon. Bah écoutez, si je trouve pas comment passer, on va devoir s'arrêter là. C'est un peu débile. Alors c'est que j'ai pas trouvé comment utiliser la clé, mais... Je sais pas. Je sais pas du tout. Non, cette porte... J'ai trouvé une clé, mais je sais pas pour quelle porte. C'est... Inventaire. Mais non, mais... Oh putain. Inventaire, j'ai dit... J'ai bien une clé. Pour le bateau de Ryder. Je sais pas quoi. Oh là là, mais j'ai plein de clés en fait. Eh ben, une clé pour les... Au niveau du temple. C'est là où on est là. Craft. Comment je passe? J'ai la clé. Oh, putain, c'est ridicule. D'accord, j'ai jeté mon arme à travers. Putain, remboursé. Mignon, vous me faites chier. C'est que c'est pas pour ça. Non, c'est pas pour ça. Bon bah c'est génial, hein, game over. Voilà, j'ai une clé mais je peux pas m'en servir. C'est triste. Hein. Parce qu'il n'y a pas d'autre accès. Hein. Attendez, de l'autre côté, on peut afficher la map un peu plus, voilà, accessible. Mais je vois rien. Punaise. Ça se trouve, c'est le personnage qui m'a dit un truc, j'ai pas lu, c'était peut-être important. On va essayer de revenir un peu en arrière. Ah mais on a qu'un seul bouclier, hein, on peut pas en prendre deux. 47 sur 63 et là, 49 sur 49, bon. Il y a deux points de plus, mais à la base il est moins costaud. Oh, mais t'es encore là toi? T'es pas mort depuis le temps? Bon, moi j'ai un javelot, mais c'est pas pour le jeter, alors viens ici. Merci. Allez, on va se soigner, ça m'énerve de rester comme ça. Hop. Voilà, ça redonne que 50, ok. Je suis pas allé par là, hein. Et ouais. Doru. Il y a un levier là-haut. Comment je vais là-haut, là? Il n'y a pas de map de ce côté? Je te pique. Ça marche pas. Je te pique dans le dos, moi. Aïe, lui aussi me pique. Hop, il y a un levier. Qu'est-ce que ça a fait? On sait pas, c'est merveilleux. Il a dû se passer quelque chose quelque part, mais on sait pas quoi. Armure plus 10. Torse niveau 2, ok.
Meilleure armure, c'est parfait. Oh là là, je suis en train de me perdre dans les galeries là. Je sais pas de quel côté je dois aller. Si je dois me rapprocher directement ou s'il faut contourner. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas dans un cul-de-sac. Donc on continue. Allez, roule. Ça va peut-être plus vite quand il est accroupi. Allez, ramasse tout ce que tu peux. Qu'est-ce que c'est? On sait pas, on s'en fout. On ramasse. Allez, l'autre, il lui faut 15 ans pour ouvrir une porte, quoi. Pas envie de lire. Oh, de la vie. Ah, bah on est arrivé là, non? Attendez, oula. Si, si, c'est là. Ok. Donc, il fallait faire tout le tour, hein. Il n'y avait pas d'accès direct. Donc, ça devait pas être la clé pour cette porte-là qu'on a vue tout à l'heure, je ne sais pas trop. Bon, monsieur le tyran. Où es-tu? On va sortir le glaive. J'ai plus de glaive? Ah oui, non, mais c'est vrai que j'ai jeté comme un couillon. On va se battre avec ça. Oh, yeah. Je t'attaque avant que tu me parles. Oui, résigne-toi à ton destin et par ce monde, je sais pas quoi. Nia, il va me tirer dessus. Attention. Arrête de faire des roulades, toi aussi, là. Non, mais on dirait limite des pantins en bois, en fait. C'est un peu bizarre. Et merde, je m'emballe au niveau des boutons. Putain. Je te pique. Je te pique. Mais non, arrête de sauter là. On a jamais vu ça, un boss qui saute n'importe comment. Là. Tu t'es cru où, toi? Tiens. Merde, j'ai pas visé. Attendez. On va utiliser ce qu'on a eu tout à l'heure. C'est un arc explosif, j'ai pas trop compris. Oh yo. Oula. Ça a pas l'air de lui faire super mal non plus. Putain, il lui faut 15 ans pour prendre une potion, quoi. Putain, ça lui fait rien. Et merde, il esquive, bâtard. Ah si, c'est bon. Sa jauge de vie descend bien. Ça se voit bien maintenant. Parce que son nom cachait la jauge de vie, quoi. C'est un petit peu bête. C'est bon, on l'a eu. On l'a eu, on l'a eu. On ramasse tout ce qu'on peut. C'est au ralenti. Ouh. Ok, on va sortir les petits couteaux ou une lance. Ok, bon. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Une déesse? And so, a champion is born. A lone bright ember glowing from within a dying hearth. Arise, my chosen. Arise, Nicandrios. You stand before Hera, fairest amongst all goddesses, divine queen of Olympus. Under the shadow of the mountain, humanity gasps its last breath. The gods have abandoned you. Zeus, king of gods and men, my husband, has turned his back on your people. He has broken the sacred contract between deities and mortals. He has betrayed you. Bon, en gros, Zeus a tourné le dos à l'humanité. Enfin, il y a nous, ouais. Les dieux nous ont abandonnés. Donc ça, c'est Hera, la femme de Zeus. Ouais. Elle parle beaucoup, hein. Apparemment, elle est pas d'accord avec lui. La loi de Zeus est absolue, et les Olympiens doivent obéir. Tu parles beaucoup, madame, chut. Without the gaze of Apollo, your minds stumble in darkness. But I, as queen, am not so easily cowed. Step to the altar, Nicandrios. Altar? C'est quoi altar? Cette grosse flamme? Ascend Mount Olympus, strip these callous gods of their power, and cast down Zeus from his lofty throne. Stand up to the cruel deities of Olympus and earn your people's salvation. Or remain here, without the gifts of the gods, and watch your world turn to ashes. Ouais, c'est pas vraiment un choix, quoi. Soit on va voir Zeus nous-mêmes, soit on laisse le monde courir à sa perte.
as my husband escaped the consequences of his actions. But together, we will take what is owed. Ok, on s'envole. Dans un ciel rouge. Et on a gagné un petit trophée, le mont Olympe. Ok, mais de toute façon, on va s'arrêter là. Je pense même pas finir le jeu à titre personnel. Hein. Il n'est pas très intéressant à jouer, c'est pas très passionnant. C'est assez basique et c'est pas très bien foutu non plus, enfin bref. C'est sympa 2 secondes, mais ça m'intéresse pas des masses. Donc je m'arrête là, donc je vous dis ben, merci d'avoir regardé, et à la prochaine sur d'autres vidéos. Salut !